dans l'émission Ma Sport, Ma Passion. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir et la joie de venir ici avec l'équipe de Ma Sport, Ma Passion couvrir cet événement inédit. Un week-end fou. Aujourd'hui, il va y avoir des anciennes légendes du Brésil contre les anciennes légendes de l'Impact de Montréal. Nous avons Cafu, nous avons Rivaldo, nous avons Dunga et nous avons d'autres joueurs de Brésil qui vont jouer contre les anciens de l'Impact de Montréal, comme Patrice Bernier, Didier Drogba, la vedette qui revient à Montréal de nouveau, comme Assun Kamara, Mauro Biello et j'en passe. Restez avec nous pour voir cette activité, pour voir ce match des légendes. À très bientôt. Chers amis, je suis excité, plus qu'excité, plus énergisé. Ma sport, ma passion est sur le terrain de l'Impact de Montréal présentement. Et derrière nous, vous avez remarqué les joueurs de l'Impact de Montréal qui s'échauffent, les anciennes légendes de l'Impact de Montréal qui s'échauffent pour pouvoir rentrer sur le terrain. Les joueurs du Brésil, en fait, ne sont pas encore arrivés, mais ils arrivent bientôt dans quelques minutes. Donc, on a hâte pour voir ces légendes sur place jouer et passer d'excellents moments. Donc vous avez vu derrière nous, il y a Assun Kamara qui s'échauffe, il y a Patrice Bernier, notre Patrice Bernier à Montréal qui s'échauffe, et il y a aussi bien sûr Didier Drogba, Mauro Biello sur le terrain, donc toute l'équipe est complète, donc voilà, on est prêt pour pouvoir passer une soirée inoubliable. À très bientôt, Ma Sport, Ma Passion. Prenez soin de votre santé, c'est très important. Você jogou bem hoje. Como você guarda a forma? Obrigado. Acho que é a cerveja gelada que eu tomo. Bem, merci. E de ça, c'est grâce au bonne bière froide que eu prends. Oui, dans le fond, après, monsieur. Un po' riscritto se riuscito qui a fare questa partita e come trovi il calcio inglese, il calcio americano? No, dunque il calcio americano trovo molto molto bene, da un paio d'anni è cresciuto tantissimo, un calcio che ogni anno che passa crescono tanto,
basta vedere i giocatori che vengono a giocare in questo campionato. Poi oggi abbiamo giocato in questo campo fantastico, un campo meraviglioso. Speriamo che loro possano ancora valutare un po' meglio il calcio, perché abbiamo visto l'ultimo campionato femminino che le americane hanno vinto, perciò vuol dire che il calcio veramente riescono a fare bene sia per l'uomo che per le donne. Perciò io vedo proprio questa liga qua in una crescita molto molto positiva e sono molto felice di essere qui oggi e portare un po' di allegria, un po' di bel calcio, un po' di felicità a tutta questa gente. Un po' di Brasile. Un po' di Brasile, normale. Quello Brasile che tutti quanti volevano vedere in tutti i mondiali, oggi siamo riusciti a portare un po' della nostra allegria, del nostro calcio, del calcio che balla in questa partita amichevole, in questa partita dei vecchi gol. Oui, capitano, voglio chiamarla così perché è stato capitano di tutte le squadre, non la sua, forse anche i ricordi dell'Italia, quanto c'è rimasto l'italiano nella sua vita oggi, una volta abbandonata la carriera europea, non so. Tutti noi che abbiamo giocato in Italia è rimasto tantissimo perché in Italia il calciatore è molto valorizzato, stimato, no? E c'è tutti le condizioni di giocare il calcio e la gente ama il calcio, ama il calciatore, per questo quando uno va in campo cerca di dare tutto per la sua squadra, no? E noi brasiliani abbiamo grande fantasia, grande qualità tecnica e quando siamo andati in Italia si impara più la cosa tattica, una disciplina tattica, l'impostazione del corpo. E si impara che per noi vogliamo sempre attaccare e nel calcio in algun momento una squadra deve essere umile e difendersi, no? E purtroppo, no, che vediamo adesso Italia da un po' di tempo non sa marcare, non sa attaccare, si trova a mezza strada, no? E Italia prima era molto forte, aveva grande difensore e c'era un contropiede fortissimo, no? E purtroppo nel calcio tutte le squadre, tutti i paesi vogliono fare lo stesso calcio, però non abbiamo lo stesso giocatore. Ognuno deve sapere che tipo di calciatore c'è e che tipo di calcio deve fare. Si dice mai se si stradella, ci sono une place particulière dans mon cœur. Là, j'ai pas la chance de jouer tous les samedis le foot, donc moi j'ai la retraite. J'ai joué les matchs de même une fois de gala avec des stars comme Rivaldo, Cafu. Quand t'es petit, on te demande de jouer contre. Moi j'ai grandi, je suis d'origine haïtienne, donc le Brésil c'est une place. J'ai eu la chance de jouer contre eux au niveau international. J'ai eu la chance de jouer contre les stars, parce que cette fois-là, j'avais juste joué avec Gilberto qui était là à la fois. Et tu sais, reconnecter avec Colby, oui, je vous parlais de Drogba, mais moi je vous parle de Paulo Ciccarelli, Nick DeSantis, Mauro Biello, Alice Brengo. Moi j'ai joué avec tous ces gars-là. Moi j'ai fait l'ère USL, j'ai fait l'ère MLS. Donc c'était important pour moi parce que ce club a 26 ans d'existence. Souvent on oublie que c'est pas en 2015 que le club a existé, pas en 2012. Mais oui, c'est sûr, c'est particulier, on a dit Drogba. Il ne faut pas oublier qu'on a un personnage comme ça qui est venu jouer à l'Impact de Montréal, qui a porté les couleurs de Montréal. Donc, quand tu joues des matchs-là, il y a les sensations qui reviennent. Des fois, tu te dis, ah, si je pourrais m'entrer pour un mois, je pourrais revenir à jouer. Mais non, jouer des matchs de gala comme ça. Ici, à Montréal, il y a une particularité, on aime le foot. Il y en a qui sont plus internationaux, il y en a qui sont plus les plus locales. Et là, c'est d'essayer de marier les deux pour démontrer qu'on est capable de accueillir des stars comme ça, ici à Montréal, puis de jouer avec nos stars. Et donc ça, tu m'avais parlé de ça il y a 20 ans d'avoir un stade spécifique de foot. Là maintenant, de jouer contre des stars internationales qui ont un palmarès, c'est extraordinaire. Tu dis, j'aurais ri, mais là maintenant c'est possible. Donc non, ça fait du plaisir de jouer. Puis regarde, à côté de Cafu, j'ai une photo où c'est le capitaine de notre bord, champion du monde. Ça, moi, c'est le gamin en moi qui dit, le foot m'a permis de jouer et maintenant de quand même vivre et de continuer à propager cette culture qui n'est pas juste l'image du samedi, qui
puis plus que ça. Puis, des matchs comme ça qui peuvent répéter et faire une communion avec la communauté de football à Montréal, au Québec. Je ne sais pas, on peut répondre ça un peu plus loin. Il y a des Brésiliens qui sont venus, j'espère qu'ils vont pouvoir revenir. Vous avez eu cette idée d'organiser ces tournois et ces grandes stars? Tout d'abord, ce n'est pas moi qui organise. Je suis lié parce que oui, je fais la connexion en tant que slash ambassadeur et je connais tous les joueurs de bord de l'impact. Mais le groupe 37-37 est venu, il y a des personnes qui sont venues avec ils avaient ce match-là. Et quand on te mentionne des Ronaldinho, des Ubaldo, des compagnie, ben, c'est un no-brainer, comme on dit. Donc, et là, ça devait marier avec le club local, tous les stars, parce que là, il y a certains joueurs qui ne jouent pas pour rien. Et on a eu quelques-uns, il y en a plusieurs d'autres. Et si on peut répéter l'événement, ben, peut-être qu'on pourrait faire revenir Nesta, Ferrari et d'autres qui ont joué en USL, qu'on n'a pas la chance, il y a juste 18 joueurs. Donc, et je suis content aussi parce qu'on a deux jeunes de l'académie qui ont participé à ça. Ça fait partie de la culture. Là, ils comprennent que le foot, c'est oui ici, mais des stars mondiales que les autres ils regardaient sur Instagram ou tout, ben, ils peuvent être ici à Montréal et ils ont joué contre. Donc je suis très content pour ça, pour ces jeunes-là. Et voilà, donc c'est là en espérant, on va voir si on peut faire ça l'année prochaine et répéter ça pour que les anciens restent connectés au club et qu'on n'oublie pas l'histoire. Parce que l'histoire nous permet d'avancer et savoir où on va aller. Okay. Le coronavirus n'est pas venu ici. Oui, écoute, c'est Ronaldinho. Ronaldinho, c'est pour beaucoup. Ronaldinho, c'est l'ère YouTube. Ce que vous conseillez, c'est quand YouTube est arrivé, on a commencé à voir sensations, c'est un joueur exceptionnel. Et si on parle de palmarès, Cafour, Rivaldo, ils n'ont rien à envier à Ronaldinho. Ils ont gagné le Coupe du Monde, Ballon d'Or, Rivaldo, on a eu un Ballon d'Or là, sur le terrain, un Ballon d'Or. Il dit, du coup, là, c'est un Ballon d'Or. Il dit, à Montréal. Il dit, tu m'avais dit ça avant, là, c'est fou, le football, c'est pas ici. Mais... un Ballon d'Or, champion du monde, capitaine. Et Cleberson, écoute, Dunga, champion du monde 94. Ça, c'est comme des rêves qui deviennent réalité. Ok, ici. Deux questions, peut-être qu'on va parler encore. Juste, if you could take a player from each of the teams you saw tonight, add them to the current Impact roster, which ones would you get? Maybe your thoughts on the playoff push. Player today, Cafu. 49 years old, 48. And see the engine. Imagine when he was 28, 29, 30. Yeah, that player is another level. You know, Rivaldo we didn't see as much, but he got injured. But Cafu, you saw right back was like the striker for them. He was the orchestrator. So yeah, you got a player like that. Can threaten your score a goal. He's a right back. Right, the world of football not right back score goals, but Cafu. It's like I said, he's a World Cup champion, captain, and we saw a glimpse of a retired player what he could do as a retired. So imagine when he was at the AC Milan or Roma and for Brazil. Like I said, it's that the level that you only watched on TV and you wished you could be there, and we saw a little bit of just as a retired. Still has the magic. Et outsiders? Ouais, salut, parfait. En fait, déjà, félicitations pour le match. Franchement, c'était un très bon match. Mais non, moi, j'ai une question, parce que quand je vous entends parler, je me dis, j'ai l'impression, en fait, j'entends beaucoup de passion et aussi de la pédagogie, et je me dis, un jour, le coaching, ça vous... Est-ce que c'est un choix de carrière qui vous intéresserait ou est-ce que vous y pensez ou etc. Ouais, je suis déjà coaché, je suis à l'académie, donc j'apprends et on va voir le temps. Moi, je suis pas pressé. Moi, j'ai appris, je suis peut-être quelqu'un qui prend plus de temps. Ouais, j'ai joué, mais ça ne veut pas dire que je vais être un grand coach, je dois apprendre. Donc, le football, c'est l'autre monde quand tu arrives au monde du coaching, donc j'apprends beaucoup de choses à l'académie, je suis très content là. Les gens qui m'entourent, j'ai un collègue coach qui était sur le terrain, Eduardo Sabrengo, puis deux jeunes de l'académie qui étaient là à 19 ans. Donc, moi, je regarde le futur de l'Impact de Montréal et je travaille là. Et un jour, si j'ai l'opportunité, on verra. Mais ça, c'est le futur. Là, présentement, je suis bien où ce que je suis, j'apprends. J'essaie de léguer ce que j'ai appris comme joueur à la jeune génération montante et on va voir après qu'est-ce qui va arriver. Mais ça me dérange. Un jour peut-être, on va voir, je ne sais pas quoi, je n'ai pas de vin, mais on verra. Question ici. Oui, j'ai une question liée à mon collègue. Comment tu trouves maintenant les niveaux de l'Impact?
Oh, cette année, parce que je sais que Tristan a posé la question pour les playoffs. Ouais, c'est pas facile dans l'Est, c'est pas facile. Donc, mais l'équipe elle a fait des bons matchs. On dirait que c'est une montagne russe un peu. Là, donc, des bons matchs, mauvais matchs, bons matchs. Il reste pas beaucoup de matchs. Il va falloir qu'ils se regroupent bien ensemble. Et de ce qu'ils ont démontré au départ de la saison, d'être solidaires. Je pense que c'est ça qui va leur permettre de passer à travers. Et ils ont le retour de Nacho et puis là, c'est la Palenne qui a de quoi. Là. S'ils sont capables de rester en fort, puis de vraiment maximiser sur les joueurs français, parce que c'est une ligue offensive. Il faut que tu crées des chances, il faut que tu marques des buts. C'est ça la MLS. Il dit on n'investit pas dans les défenseurs, on investit dans les attaques. Donc, je pense qu'ils ont la possibilité de vraiment faire de quoi pour faire la possible série. Mais c'est pas évident. Vous avez vu, Toronto, ils ont acheté 4 joueurs. Là. Mais je crois qu'ils ont l'effectif. Après ça, c'est de se ressouder, parce que la défaite hier, c'est mauvais. Mais bon, à la MLS, il faut que tu switches tout de suite, parce qu'il reste 10 matchs. C'est le dernier stretch. Et c'est là que tu dois être le plus fort mentalement, dans cette ligue-là, sur le fond. Merci, Raphaël. Des autres questions? Hein? Oui. Salut, je crois que c'est toi qui as invité Didier pour le match d'aujourd'hui. Est-ce que tu es seul à convaincre? Non. C'est Didier, c'est bon, on a une proximité, mais donc. Je pense qu'ils cherchaient une façon de pouvoir revenir, il n'y a jamais les moyens, puis ça c'est un moyen fantastique, parce que là tu as la chance de revenir jouer au stade où il a donné des grands moments, et de reconnecter avec certains coéquipiers et le club, et voilà, ça faisait 3 ans qu'il n'était pas revenu, donc moi j'ai la première fois on a décalé, tant mieux, ça a bien donné, parce que là Didier est là, et donc je suis très content, parce que c'est quelqu'un qui a... J'ai dit qu'il est arrivé ici et qu'il a amené le club à un autre niveau. On a parlé du club partout dans le monde, puis juste de comment il était à l'entour des joueurs, professionnalisme, l'autre niveau où on a vu Cafu ça, mais nous on a pu vivre Zidropa à l'Inter et ici localement. Donc non, si j'ai dit est-ce que tu peux venir, il dit oui. Donc il a dit oui. Donc après ça, là il est là. Donc c'était bien, on est content. Je pense que le public était très content de revoir. Comment tu fais pour te maintenir, Patrice? Pour maintenir, je fais rien. Pour les prochains jours, je vais souffrir. mais c'est bien souffrir pour le foot. Moi, c'est même pas une question. Demain, je vais avoir mal, mais je vais avoir dit, j'ai joué avec mes coéquipiers et j'ai joué contre des légendes brésiliennes. Donc, si tu me dis de faire ça une fois, peut-être pas une fois par mois, mais une fois de temps en temps, contre des légendes, c'est ça le foot, tu oublies des moments de la passion. Puis moi, je ne suis retraité, mais j'arrive à vivre des petits moments et de revivre des moments d'adrénaline de joueur puis de venir jouer ici. Parce qu'ici, c'est une place spéciale, ça peut être spécial. Puis on l'a vu, il y a plein de monde qui sont venus, qui ont accueilli le Brésil, qui ont pas applaudi le Brésil, mais applaudi l'Impact en ça veut dire que les deux peuvent se marier. Chers amis, comme vous venez d'assister à ce match exceptionnel, les légendes de l'Impact de Montréal avec les légendes du Brésil, Cafu, Dunga, Rivaldo et j'en passe. Et du côté de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, Assun Camara, Mauro Biello et bien sûr Didier Drogba qui revient encore à Montréal après quelques années qu'il est parti, qu'il a quitté Montréal. Ça a été une soirée inoubliable et voilà donc j'ai hâte de vous retrouver de nouveau. Pour d'autres vidéos de publication, n'hésitez pas à liker notre page, la page de Silver Base, vous allez voir. Et aussi, vous pouvez aussi aller sur YouTube, nous suivre sur YouTube, vous abonner à notre chaîne YouTube. À ce moment-là, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les vidéos. Et voilà, on a hâte de vous retrouver encore de nouveau pour notre vidéo prochaine. Donc, à très bientôt. Vous êtes dans l'émission Ma Sport, Ma Passion. À très bientôt.